Donc aujourd'hui, on va tester une James Nelligan, guitare irlandaise, fabriquée en Asie, hein, bien entendu, pour des coûts de fabrication plus légers, et fabriquée et de manière vraiment superbement fabriquée. Là, on peut voir la table massive en épicéacide K grade AA. J'aurais même rajouté un A, moi, tellement c'est bien fait. La petite déco façon lune. Également les mécaniques noires, c'est très rare sur une guitare folk qui donne dans le traditionnel. Le manche est satiné. L'arrière est bien sûr dans un beau couleur, belle couleur de noyer, avec des bindings noirs pour faire encore plus classe. Donc tout ça, chevalet en bois, très bonne qualité. Sieos, bon, pour l'instant c'est zéro défaut. La touche est en palissandre également, donc voilà. Tout ça pour 300 euros à peine, donc miracle asiatique. Bon, le son, c'est une Grand Auditorium, donc le son va pas être Martin, c'est-à-dire que c'est pas une guitare qui va vous rentrer dedans, donc ça se joue plutôt en arpège. Perlé, très délicat. Les basses sont bien définies. C'est très fin. On pourrait presque se prendre pour un Steve Vai. Bien sûr, elle peut jouer de la bossa aussi. C'est vraiment une bonne guitare pour commencer, voire pour une guitare à part entière pour un pro qui cherche ce son là en fait, qui est celui des toutes premières ovations des années 70. Très bonne petite guitare sous la barre des 400 euros à conseiller par rapport à tout ce qui est Squire, Fender merdique, Epiphone, Yamaha, ces grosses guitares là lourdes qui traînent leur carcasse depuis des années. On en a marre de voir, faut bien le dire. Elles sont vendues à des prix excessifs. Bon, place aux jeunes, voilà.